Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous êtes nombreux à me demander des concours, et donc je me suis dit pourquoi pas en organiser un pour cette vidéo. Et oui, je vais tenter de faire gagner à 3 d'entre vous l'un de mes VOD présents sur ma plateforme magistreaming.fr. Bref, comme d'habitude, la démo, et on se retrouve juste après pour vous expliquer comment participer à ce concours. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo, et pour ce tour on va utiliser une carte très peu conventionnelle, une carte rouée, hein, une carte blanche avec un petit trombone, on verra ça tout à l'heure. Et un jeu de cartes, ça vous connaissez, un jeu de cartes de 52 cartes différentes. Et le spectateur choisira une carte librement dans le jeu, alors vraiment la carte de son choix, hein, pas de forçage, pas d'influence, vraiment celle qu'il désire. Et derrière cette carte, alors là ici c'est le 4 de pique, bien entendu on pourrait la faire signer. En la faisant signer on est sûr qu'il n'y en a pas deux, hein, donc moi je le fais pas mais on pourrait. Donc en utilisant toujours le 4 de pique, regardez bien, ce que je vais faire c'est qu'on va le laisser un peu décalé, voilà par ici, histoire que vous pouvez bien le suivre, bien le surveiller, hein, qui bouge pas. Et on va utiliser notre carte quelconque, ici cette fois c'est le roi de carreau. Et le roi de carreau, on va le mettre en contact, alors d'abord je vous montre, hein. Ici la carte c'est pas une illusion d'optique, hein. Elle est vraiment trouée, hein. Vous voyez, on pourrait voir à travers. Hein. Et regardez bien, si je la mets en contact, le roi de carreau avec cette carte trouée comme ceci, on peut voir à travers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les attacher avec le trombone. Alors vraiment là, c'est net, hein. on peut pas faire plus net. Hein. Regardez bien, je vais juste récupérer votre carte ici qui est laissée de côté. On va égaliser le tout, vraiment, alors là c'est propre. Hein. Et regardez bien, si on reprend cette fois la carte au hasard, le roi de carreau qui est en contact avec notre carte trouée, et qu'on fait juste 1, 2, 3, instantanément à vue, je dis bien à vue, le roi de carreau disparaît. En fait, il ne disparaît pas réellement. C'est juste qu'à la place, on se retrouve maintenant avec la carte choisie du spectateur, le 4 de pique qui aurait pu être signé. Et ça, c'est un vrai miracle. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Et pour ceux qui n'auraient pas deviné, aujourd'hui, je vais tenter de vous faire gagner le VOD Window Card. Alors, comme vous l'avez vu dans la démo, Window Card, c'est un effet qui se présente un peu comme le gimmick WoW. Vous pouvez choisir une carte à votre spectateur, peu importe la carte, peut être signée, etc. Cette carte est perdue dans le milieu du jeu. Vous prenez une carte quelconque sur laquelle vous allez poser une carte trouée. À travers le trou, on peut voir nettement la carte quelconque. Et là, vraiment, c'est très visuel, juste en snappant avec le doigt, la carte se change en vue à la carte signée. Et bien entendu, vous pouvez rendre la carte au spectateur s'il veut l'examiner et la garder en souvenir. Alors, dans ce VOD, vous allez apprendre à fabriquer ce gimmick. Vraiment, c'est super simple à réaliser, hein. Vous avez forcément le matériel chez vous, il n'y a rien d'extraordinaire à avoir. Le gimmick se fabrique en 3 à 5 minutes. Vraiment, c'est très 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 simple, vraiment, hein. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous faire plusieurs gimmicks. Et derrière, pour réaliser le tour, il n'y a rien de bien compliqué, ça reste accessible aux débutants. Bref, si vous aimez l'effet, que vous trouvez ça très visuel et que vous voulez le reproduire, et qu'en plus la fabrication de gimmicks vous intéresse, tout en restant une fabrication vraiment light, hein, c'est très facile à faire, hein. Pas besoin d'être minutieux ou quoi que ce soit, hein. Vraiment, c'est très simple. Ben, n'hésitez pas à aller faire un saut sur le site. Donc voilà, pour ceux qui veulent se le procurer, je vous mets le lien dans la description. Hein. Sachez que c'est un produit uniquement en vidéo. Vous ne recevez rien à la maison, c'est-à-dire que dès que vous avez payé, vous avez immédiatement accès à la vidéo explicative et vous pourrez derrière vous fabriquer le gimmick tout de suite. Voilà, il n'y a pas de délai d'attente, ça se fait automatiquement. Et au moins, ça vous évite au passage de payer des frais de livraison. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais tenter de faire gagner ce tour à 3 personnes. Et comme d'hab, on va faire très simple, on va faire marcher le hasard et donc on va procéder à un tirage au sort. Et pour participer, les règles sont vraiment très faciles. 4 règles à respecter. La première, être abonné à ma chaîne Tuto Magie, celle-ci. La deuxième, être abonné à la chaîne Magie Streaming. Dans tous les cas, vous avez le lien dans la description. C'est ma chaîne secondaire, c'est la chaîne dédiée à la plateforme. Troisième règle, likez cette vidéo. Et pour finir, la quatrième règle, très important, ajoutez un commentaire dans cette vidéo. N'importe quoi, il suffit qu'il y ait un seul commentaire, attention, pas deux, parce que ça va annuler sinon votre possibilité d'être tiré au sort. Donc un seul commentaire, c'est très important. Et derrière, moi, la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort pour annoncer les 3 gagnants. Donc il y aura 3 gagnants qui seront tirés au sort et qui gagneront chacun une licence pour télécharger gratuitement le tour Window Card. Donc je récapitule, être abonné à la chaîne Tuto Magie, également à la chaîne Magie Streaming, liker cette vidéo et ajouter un seul commentaire. Et de là, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine et j'annoncerai le gagnant en vidéo comme d'habitude. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin, j'espère au moins qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser peut-être à ce tour. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.